Madame, monsieur, bonjour. 12h45 chez vous. Voici les titres de cette édition. La consommation des produits alimentaires nécessite un contrôle de qualité, un passage indispensable pour le respect des normes. Que comprend ce contrôle? Vous aurez des détails dans ce journal. Le lac Nokwe, ce vaste étang, est un véritable atout pour le développement économique du Bénin. Eh bien, comment la rédaction de BB24 s'y est intéressée? Le akaya avec ses vertus, c'est une plante que nous allons découvrir dans cette édition avec Estelle Pazou qui a visité pour nous une exploitation agricole. Le Bénin est le deuxième pays de l'espace UEMOA ayant effectué les plus importantes opérations bancaires avec plus de 51 milliards de francs CFA de prêts pour plus de 86 milliards de francs CFA d'emprunt. Des opérations interbancaires qui se sont déroulées durant la semaine du 2 au 8 janvier 2018. Le montant total de ces opérations entre banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont élevés à plus de 663 milliards de francs CFA pour la dite période. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, le taux moyen pondéré qui sert au calcul des intérêts s'est situé à 5,56% contre 5,31% durant la semaine précédente, soit une hausse de 0,25 points de pourcentage. D'une importance capitale dans la gestion d'une entreprise moderne, le contrôle de qualité n'est pas toujours respecté. Mieux pour la sécurité des consommateurs et surtout lorsqu'il s'agit de produits alimentaires, le recours à un laboratoire de contrôle est recommandé. Thibaut Mafon et Ramatou Lawani. Manger sain, manger bien, passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Et l'élément le plus important qui nous permet d'aller sur le marché nigérien, c'est la qualité. Le Bénin doit se particularisé par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay, on a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise puisque nous sommes sur le marché international. Et dans un second temps, ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments, toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Vaste étang situé au sud du Bénin, le lac Nokwe est un atout capital pour le développement du Bénin. Ce réservoir de production halieutique sert aussi de couloir de passage aux riverains. William Tchoki nous parle de sa contribution au développement à travers ce reportage.
S'il y a une chose qui a donné naissance à la ville de Cotonou, avec une forte affluence des populations de pêcheurs, premiers occupants de cette cité, c'est bien le lac Nokoué. Ce cours d'eau, grand réservoir de produits halieutiques et qui divise la ville en deux grandes zones, joue aussi un important rôle dans le déplacement des populations. Le lac Nokoué est un plan d'eau saumâtre situé au sud du Bénin. Et ce plan d'eau est d'une superficie de 150 km² environ, donc on représente près de la moitié des eaux saumâtres que nous avons dans le pays. C'est un plan d'eau qui reçoit les eaux du fleuve Oumé par le nord et coule ses eaux directement dans l'océan. Outre son caractère de réserve en produits de pêche, le lac Nokoué est un outil de développement socio-économique et de régulation des eaux venant du nord. Ce lac-là, tel que ça se situe, c'est juste au cœur même de la ville de Cotonou, si on peut le dire comme ça. C'est un plan d'eau qui joue un rôle fondamental dans le développement socio-économique de la ville. Et vous savez, ça produit beaucoup de poissons pour les populations riveraines. Et ça là, c'est déjà un premier niveau. C'est une zone de production importante et tous les poissons que nous avons dans le sud du pays proviennent pratiquement donc de ce cours d'eau-là. L'autre aspect aussi, c'est qu'il intervient beaucoup dans la régulation des eaux dans le sud du pays. Et vous savez, quand il pleut, il faut que les eaux du nord descendent dans ce lac-là. Et c'est quand le lac est suffisamment gorgé qu'une partie donc, de ces eaux va commencer par couler vers la mer. Et ce lac-là constitue une réserve que nous avons et qui protège aussi donc, la ville donc, de Cotonou, ne serait-ce que par l'installation donc, du chenal qui est là, qui permet à l'eau directement donc, d'aller. Donc sur le plan régulation des eaux au niveau de la ville de Cotonou, le lac Nokoué joue un rôle important. Et en dehors de ça aussi, ça fonctionne un peu comme une éponge. Quand il pleut, les eaux arrivent et c'est la zone humide donc, du lac là, qui retient donc, ces eaux-là d'abord. Cette ressource en eau est certes menacée par sa surexploitation, son comblement par les ordures ménagères, mais elle permet malgré tout ceci d'occuper ces nombreuses familles de pêcheurs des localités qu'elle traverse. Sur le plan emploi, vous savez, il y a un certain nombre de pêcheurs, et beaucoup de pêcheurs donc, qui exploitent donc ce lac-là, les pêcheurs de Gambier, de Sotiankou et de Veki qui sont sur l'eau-là. Et si ces pêcheurs sont occupés vraiment à faire de la pêche, vous savez aussi que ça peut freiner donc l'exode rural. S'il y a suffisamment donc de poissons, ils ne sont plus tenus donc de venir dans la ville de Cotonou pour rechercher d'autres activités. Et quand vous regardez bien le lac Nokoué, on constate qu'il y a beaucoup d'autres activités, comme donc les acadias. C'est des systèmes de pêche qui sont donc développés sur ce lac-là. Et le lac Nokoué, un peu comme toutes les lagunes donc, du sud Bénin, sont considérées comme des lagunes les plus productives même de la sous-région, simplement à cause donc, de ces systèmes acadia qui sont développés dedans. Et à l'hectare, par exemple, on peut tirer jusqu'à 2 tonnes de poissons donc, à l'hectare dans ces lagunes, alors que dans la sous-région, le maximum que nous pouvons donc trouver, c'est autour de 200 à 250 kilos à l'hectare. Donc, ça veut dire que le lac Nokoué joue un rôle fondamental pour la production en poissons dans le sud du Bénin. Le lac Nokoué constitue le principal circuit pour déverser les produits agricoles de la vallée de l'Oumé dans le marché international de Dantokpa. C'est aussi 339 hectares d'espace fluvial navigable emprunté par les populations autochtones et les touristes pour découvrir la Venise d'Afrique, le village lacustre de Gambier. L'Inde a décidé en fin de semaine dernière d'exempter les produits bissau-guinéens du paiement de taxes. Selon l'ambassadeur de l'Inde en Guinée-Bissau, Kumar, cette mesure souligne la place particulière que son pays accorde à la Guinée-Bissau. L'autre aspect de cette mesure est que les hommes d'affaires de la Guinée-Bissau auront facilement accès au visa pour se rendre en Inde, a-t-il ajouté. Ainsi, pour le diplomate, les entrepreneurs bissau-guinéens qui souhaitent
souhaite participer aux foires qui se tiennent régulièrement en Inde se verront offrir des billets d'avion. Selon les autorités, la Guinée-Bissau est le 5e pays plus grand producteur de noix de cajou dans le monde. Elle en a vendu environ 200 000 tonnes en 2017 à l'Inde. Les plantes n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Le acaya séduit pour ses vertus et les agriculteurs ont aujourd'hui un regain d'intérêt pour cette plante. Mathieu Sokenou et Estelle Pazou se sont rendus dans une exploitation où le acaya est cultivé. Reportage. Acaya, plante séculaire, orpheline et longtemps oubliée. Mais ici, dans ce jardin, elle reprend vie. Originaire d'Afrique, le acaya ou Cléomée Ginandra pour les scientifiques est devenu au Bénin objet d'intérêt. Nous avions eu à travailler sur plus de 100 variétés de Cléomée Ginandra récoltées un peu partout dans le Bénin, au Kenya et dans la sous-région. Et parmi ces 100 variétés, nous sommes arrivés à sélectionner les meilleures variétés que nous sommes en train de promouvoir actuellement. Nous avions eu à former des producteurs en ce qui concerne la production du légume et des semences. Produire du Cléomée Ginandra requiert en effet des particularités que Frédéric s'est vite appropriées. Pour sa culture, il les applique à la lettre. Nous traçons les planches que nous imbibons de fiente. Nous les arrosons. À l'aide de la roulette, nous traçons les lignes, puis nous mettons en terre les graines. Ce procédé fini, les pousses apparaissent en l'espace d'une semaine. Au bout d'un mois d'entretien et de suivi, elles présentent l'aspect que voici. Prête à égayer les papilles des quelques rats qui connaissent le acaya et qui surtout ont diverses recettes pour sa préparation. Il faut sélectionner les meilleures feuilles et les mettre en préparation sous un feu doux. Une fois cuites, on les mélange à la sauce graine préalablement mijotée et on y ajoute les condiments. C'est un légume que nous consommions et qui entre-temps a disparu. L'huile d'arachide ou de palme peut servir à sa préparation. On peut l'agrémenter avec de la viande ou du poisson. Pourtant, cette plante de la famille des Caparaceae est considérée comme envahissante aux États-Unis et dans certains pays du Pacifique. La moutarde locale, appelée en langue fond afinti, est un assaisonnement très prisé au Bénin. Il en existe de différentes variétés selon les localités et parfois selon les aires culturelles. Leonida Anzo pour plus de précisions. Communément appelée afinti au Bénin, la moutarde locale fabriquée à base de graines de néré est un produit agroalimentaire très prisé. Les procédés de fabrication diffèrent d'une région à l'autre et selon l'origine ethnique des productrices. En conséquence, plusieurs variétés de ce condiment odorant s'offrent sur le marché. Le prix de vente de cet aliment dépend de la mesure. Il peut être vendu en détail comme en gros. Non, bla, kifai kande 700. Bonoka kande ko in chakiropo. Bokon le kan en gros ton. Tenwe 500. Des moyens pour conserver ce produit ont été développés par cette femme. Ce condiment, produit à base de graines de néré fermentées,
est fréquemment consommé par la population béninoise. Il constitue l'un des ingrédients de sauce qui accompagne quelques aliments de base. C'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.